Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Parce qu'il avait vraiment reçu le coup qui le tombait. Et c'est en ce moment-là que la deuxième grenade s'est logée dans la boîte à vitesse de véhicule à côté de ma tête, puisque j'étais recroquevillé sur le siège. Imaginez un seul instant une grenade lacrymogène qui explose dans un véhicule. C'était quelque chose d'inimaginable. Vous n'avez plus de visibilité, vous ne pouvez plus respirer. On suffoquait tous. On suffoquait tous. C'est en ce moment-là que, voyant que la fin de ma vie était proche, j'ai décidé de sauter ma voiture, qui roulait à plus de 100 km. Mais ces jeunes ont eu la présence d'esprit de m'en empêcher. Et on a continué à rouler de cette manière, à vivre à nous. Les portières ouvertes, malgré cela, ils ont continué à tirer. Non seulement continué à tirer, mais ils ont voulu passer du côté où il y avait ma tête. Je ne sais pas comment ce chauffeur a pu faire, mais en faisant des zigzags, les a empêchés de nous approcher de ce côté-là, parce que ce aurait été définitivement fait pour moi. Bien, c'est un criminel. Je dis bien, Yann est un criminel. Il a organisé mon assassinat, il n'a pas pu le réussir. Je le dénonce publiquement aux yeux du monde entier. Hier, le 28 décembre 2017, le FIA a voulu raconter. Quand il se permet de dire sur les médias ce matin que je suis un menteur, je voudrais lui répondre que lui et moi, nous n'avons pas la même éducation. Car mon âge, je n'ai pas à mentir au père à qui que ce soit, et que je n'ai pas peur. Celui qui ment est quelqu'un qui a peur. Et Yann a peur. Yann, on sait qu'il a l'habitude de mentir, de raconter des inepties. Il m'avait déjà accusé en 2013 d'avoir pensé organiser les incendies de l'argent. La justice lui a donné tort. Il avait dit dans ce pays que j'étais au cimetière pour faire du gris, pour faire disparaître et réapparaître les gens. Quand on est à ce niveau-là, pas qu'on va s'interroger sur la santé mentale des gens comme ça. Monsieur Yark dit que moi j'ai menti. Je voudrais lui dire une fois encore que je ne suis pas un voyou et que je ne fréquente pas les voyous. Raison pour laquelle je ne fréquente pas certains et que je ne fréquenterai jamais certains. Pour ce qui concerne ma vie, il peut faire ce qu'il veut. Comme je le disais hier à certains d'entre vous, je vous souhaite que vous me rendiez une très bonne vie. Pour qu'ils voient, pour qu'ils se rendent compte après les massacres, après toutes les bêtises, toutes les ignominies qu'il a pu faire dans sa vie, la vie te réserve toujours des surprises. La vie te réserve toujours des surprises. Je vous souhaite bonne chance. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.